La mort de King Kester Emenea nous affecte tous. Nous voudrions lui rendre les derniers hommages dus à son rang de grande star de la RDC. Je suis celui qui a été choisi par sa famille et par son administration pour coordonner toute l'organisation ici en Europe afin d'éviter des désordres tels que nous avons connus dans des circonstances similaires. En sa qualité de l'un des patrimoines nationaux de la RDC, King Kester avait émis les vœux d'être enterré à Kinshasa. Nous communiquerons prochainement la date de l'arrivée de sa dépouille à Kinshasa. Il était même prévu depuis 2010 qu'après la sortie de son album This Is Me, que King Kester allait mettre fin à sa carrière musicale de la musique dite du monde, pour se consacrer en tout cas à une vie chrétienne et chanter pour Dieu. Il a même demandé à l'étoile montante du moment, la sœur évangéliste Béhoutiel, de chanter avec lui. Dommage, la mort est subitement arrivée. Nous pleurons aujourd'hui King Kester Emenea, les larmes aux yeux.